La présente session s'ouvre dans un contexte de relance globalement favorable à notre pays. Les faits parlent d'eux-mêmes. En effet, quand le dernier rapport du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale confirme notre taux de croissance à 8,7% pour l'année 2013, quand le dernier rapport des Nations Unies indique clairement que la situation sécuritaire s'est considérablement améliorée, favorisant ainsi le retour dans notre pays d'organisations internationales et notamment de la BAD. Quand notre pays organise avec succès des événements aussi importants que le Forum Investir en Côte d'Ivoire et le marché des arts et du spectacle africain MASA, quand notre pays redevient une véritable plaque tournante diplomatique avec les visites pour une première du Premier ministre japonais Shinzo Abe et celle fortement remarquée de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, quand tous les chefs d'État de la CEDEAO font un véritable plébiscite au président Alassane Ouattara pour le remarquable accomplissement de sa mission à la tête de cette organisation, deux mandats durant, a-t-on vraiment encore besoin de preuves supplémentaires pour se convaincre que notre pays a réellement pris son envol vers l'émergence